Yo les S3 Family, comme prévu, voici le S3 Freestyler du jour du tuto précédent. Si toi aussi tu veux passer dans une de nos vidéos, pense à poster la tienne avec le hashtag S3School. Bang! Yo, c'est la team S3 et aujourd'hui c'est la S3School. Et comme chaque semaine, venez apprendre des gestes de folie. Aujourd'hui, on va apprendre... l'éclipse mon gars, l'éclipse, j'ai bien dit l'éclipse. Yo la S3 Family, aujourd'hui on apprend l'éclipse. L'éclipse c'est quoi? C'est un amorti en l'air. Étape 1. Étape 1. Ok les gars, l'étape 1 elle est très simple, on fait une clé. Comme ça. Mon gars, range ça, une clé c'est pas ça, une clé dans le monde de la danse, c'est ça. Ok, pour apprendre la clé c'est très simple, on prend son pied avec sa main. Donc du coup, ça fait une ouverture, quand il y a une ouverture, on passe une clé. On passe à l'étape 2. Étape 2. Ok, donc maintenant que tu sais faire la clé, tu vas devoir placer le ballon à l'intérieur de ton pied fort. Comme ça, Andreas. Donc comme ça. Et c'est à ce moment que tu vas devoir réaliser la clé. Pour réussir ça, faut vraiment pas avoir peur et pense à faire passer ton pied entre la balle et ta jambe. Après, je dois passer bien entre la jambe et la balle. Voilà. Oui. Entre la jambe et la balle. C'est ça. Entre la jambe et la balle. Ah, tu viens ? Même de l'autre sens. Bien. On passe à l'étape 3. Étape 3 ! Prochaine étape, place le ballon sur ton pied, comme ceci, mais sans la main. Voilà. Andreas, tu peux me montrer s'il te plaît? Merci Andreas. Ok Andreas, super. Maintenant que tu as l'équilibre, tu vas essayer de passer l'autre jambe au-dessus. Voilà, parfait mon gars, c'est ça qu'on veut. On passe aux astuces. Astuce numéro 1, commence à sauter quand la balle redescend. Voilà, tu vois le délire ou pas? Astuce numéro 2, pensez à bien amortir le ballon comme pour le précédent tuto, le clipper. Prochaine astuce, tu peux aussi t'aider d'un mur. Facile. Maintenant, ce qu'il faut pas faire, sauter trop tôt. Ça sert à rien. Ça sert à rien de sauter trop tôt. C'est le surf time. Ok la famille, le tuto c'est terminé pour cette fois-ci. N'oubliez pas, vous pouvez poster vos vidéos sur Instagram, sur Twitter avec le hashtag S3School. Surtout, n'oubliez pas en attendant de liker, commenter, partager et surtout, abonne-toi la famille.